pas donné une voix éclatante. Amen. 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 Bonjour à tout le monde. Bonjour, pasteur. Nous sommes très heureux ce matin, mais très contents. Vous savez quoi? Nous avons notre anniversaire de mariage à l'état civil aujourd'hui, le 3 janvier. Alléluia. Alléluia. Nous fêtons notre anniversaire en deux temps parce que devant les hommes, officiellement les autorités, c'était le 3 janvier. Et devant Dieu, c'était le 21 janvier. Amen. Voilà. Alléluia. Youpi. Joyeux anniversaire, mon mari. Oui, bon, c'était le premier mariage de l'année. En plus, voilà. Notre mariage, oui, était le premier mariage de l'année. Amen. Amen. Nous bénissons l'Éternel. Amen. Voilà, nous allons continuer. Merci déjà pour cette introduction. Amen. Vous voyez donc que Dieu fait les choses bien. Il sait pourquoi il nous avait mis ensemble. Alléluia. Oui, c'est comme ça qu'il fait. Il nous avait préparé. Et c'était pour une bonne raison. Amen. Notre message était intitulé « Le fruit de notre semence ». Amen. Quand mon mari et moi, nous sémions dans le champ de Dieu, c'était sans arrière-pensée, parce que nous étions dans la même assemblée et nous avions les mêmes objectifs. Et c'est comme ça qu'on a tissé les amitiés. Et de cette amitié, le Seigneur, parce que notre semence, c'était quoi? C'était la volonté de Dieu. Les deux, on avait un seul et un même rêve, c'est de se préparer pour le retour de Jésus. Chacun. C'est comme ça qu'on a commencé à travailler notre caractère dans la prière pour mener une vie de sainteté, une vie de sanctification. À fond, nos cœurs battaient. On priait toutes les nuits vers 2h du matin, comme ça là. Le Seigneur s'est dit, les deux si qui me cherchent en esprit, en vérité, c'est qu'ils peuvent m'être utiles pour mon royaume. Notre histoire, elle est divine. Je ne suis pas venue la raconter. C'est pour introduire le message que Dieu m'a mis à cœur de donner ce matin. Amen. La suite de notre nuit du 31 décembre. Amen. Le fruit de notre semence. Amen. Le fruit de notre semence a été notre union. Nous avons sémé et Dieu nous a mis ensemble. Le 31 décembre 2020, nous sommes venus semer ici. Alléluia! Dis, j'ai semé! Alléluia! Je veux manger le fruit de ma semence. Amen! Chacun a semé le 31 à sa manière. Mais nous, on a semé aussi à notre manière. Et nous allons manger le fruit de notre semence. Amen. Alléluia. Parce que tu ne peux pas. L'homme de Dieu nous a dit ici tout à l'heure, notre pasteur, il nous a dit qu'on ne peut pas semer les prunes et aller récolter les oranges. Vrai ou faux? Vous avez déjà vu un chien accoucher un chat? Non. Pour le moment, non. Amen. Donc, si nous semons les prunes, nous allons récolter les prunes. Amen. Si nous sèmons les oranges, nous allons récolter les oranges. Amen. Nous, on a sémé la volonté de Dieu et nous allons recevoir aussi la volonté de Dieu. Nous avons sémé l'amour de Dieu ici, le 31. Amen. Amen. Et Dieu va nous rendre quoi? Il nous a rendu quoi? Son amour. Amen. Nous sommes venus à l'autel, comme il le dit bibliquement. Et qu'est-ce qu'il nous a rendu? Il nous a oint. Amen. Amen. Et il nous a oint pour que nous allions et que nous portions du fruit. Et que notre fruit, demeure. Alléluia, est en abondance. Alléluia. 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 Gloire à
Dieu, nous avons très bien commencé l'année. Oui, parce que les premières heures, les premières minutes, nous étions ici en train de proclamer les bonnes choses pour sceller notre année, n'est-ce pas? Parce que c'est là où tout se passe. Ce n'est pas à la fin. Au moment où on défriche le champ, si toi, tu dors, est-ce qu'à la récolte, tu aurais semé quelque chose? Et comme tu n'aurais jamais rien semé, est-ce que tu auras à récolter? Non. N'est-ce pas? Amen. Donc, comment garder donc le fruit ou consommer le fruit de notre semence? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les voleurs de bénédiction. Si vous regardez, même dans la vie courante, les paresseux qui ne cultivent pas, qui ne sèment pas, qui n'ont pas de champ, qui n'ont rien ensemencé, ils passent le temps à voler. N'est-ce pas? Quand les autres rentrent du champ, ils courent la nuit, ils arrachent le maïs à gauche, à droite, le manioc par-ci, et puis parce qu'ils n'ont rien à manger. Hein? Mais nous devons protéger nos champs. Amen. Alléluia. Le pasteur a parlé du sang ici, de la protection. Nous devons couvrir nos bénédictions, cacher nos bénédictions. Tout ce qu'on a reçu ici le 31, nous devons encercler ça par le sang de l'agneau. Amen. Alléluia. Nous devons veiller. Amen. Amen. Nous devons veiller sur notre sur nos fruits. Parce que Dieu nous a déjà donné. Amen. Alléluia. Amen. En tout cas, moi, j'ai reçu. Et je veillerai. Amen. Maintenant, je vais vous dire comment garder ça. Amen. Amen. Il y a une façon de garder, de se protéger. L'oiseau voleur, là, ne doit pas venir piquer dans ton champ. Hein. Non, 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 non. Il faut protéger. La Bible dit que le diable rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Il dévore quoi? La moisson des autres. Mais je déclare qu'il ne volera pas ta moisson. Amen. Parce que tu vas apprendre ce matin comment protéger ta moisson. Amen. Alléluia. Ah. Regardez Osée 10, du verset 12 au verset 13. Osée, c'est après Daniel, hein, les petits prophètes, c'est après Daniel. Osée, c'est juste après Daniel. Avant Joël, entre Daniel et Joël. Tout le monde y est. Amen. Voilà. Il dit, semer selon la justice, moissonner selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Si vous restez devant la face du Seigneur, je m'arrête d'abord là, devant la face du Seigneur. Comment est-ce qu'on reste devant la face du Seigneur? Nous avons fait un séminaire ici, en ligne, où j'enseignais sur comment entrer dans l'intimité de Dieu. Amen. Amen. Quand tu es caché avec tes bénédictions dans le cocon de Dieu, le dévoreur là, même ses mains là sont longues, comment ne peut pas venir arracher le fruit, la moisson qui est à toi. Amen. Amen. Il ne peut pas. Il faut rester concentré dans les affaires du royaume. N'allez ni à gauche ni à droite. Restez devant la face de Dieu. Et comment est-ce que vous allez demeurer dans la face de Dieu? La méditation, la prière. Dieu aime la fidélité. Amen. Gardez votre communion avec Dieu.
vous allez conserver le fruit de votre semence. Gardez votre communion avec Dieu, entre Dieu et vous. Et si vous avez votre communion avec Dieu, vous l'aurez avec des frères et sœurs. Mais si vous recherchez la communion des frères et sœurs, vous risquez de perdre votre communion avec Dieu. Si vous avez la communion avec Dieu, vous avez le reste. Est-ce que vous comprenez? Lui, c'est la clé. Et comme il est la clé, si vous avez la clé, vous allez ouvrir toutes les portes. Amen. Vous comprenez? C'est comme ça qu'il faut faire. Faut conserver le fruit de votre semence qui vous a été donnée. Vous avez semé. 2021, année de restauration, c'est pas moi qui dis, c'est le Seigneur qui nous a dit. Année de restauration, restauration, vous allez récupérer ce que vous avez perdu. Dieu vient vous restaurer, il vous donne le fruit. Vous avez tant ensemencé sans récolte, mais 2021, c'est votre année de récolte. Le fruit est là. Le fruit de ce que vous avez semé. Selon la justice, il a dit bien. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Quand c'est lui que vous cherchez, il va faire justice contre le dévoreur du fruit de votre semence. Vous comprenez? Il va se lever, il va tirer son épée du fourreau pour l'abattre. Mais à condition que vous soyez connecté à lui. Ne perdez pas votre temps, ne soyez pas distrait. Restez connecté à votre Dieu. Votre fruit va demeurer. Amen. Mais si vous vous éloignez de lui, ne dites pas qu'il ne vous a pas donné le secret. Regardez le verset 13. Vous avez cultivé le mal. Le mal, c'est par rapport à ceux qui perdent cette connexion. Vous comprenez? À Dieu ne plaise, ça ne vous concerne pas. Amen. Vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité, loin de vous. Ça ne sera pas votre cas. Amen. Je déclare que vous allez rester connecté à votre Dieu. Vous conservez le fruit de votre semence. Amen. Selon la justice de Dieu. Il dit, vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité, mangé le fruit du mensonge. Pour ceux qui ont semé le mensonge. Ah, on ne peut pas aller récolter le maïs dans un champ d'avocat. Car tu as eu confiance dans ta voix, dans le nombre de tes vaillants hommes. Vous voyez, je vous ai dit quoi? La connexion, c'est avec Dieu. Si vous allez vers les vaillants hommes, vous voyez, la connexion c'est avec Dieu. Pas avec les vaillants hommes, mais avec Dieu. Alléluia. L'homme est menteur, mais Dieu ne ment point. Regardez les deux versets. Avec Dieu, il nous répond selon sa justice. Il protège le fruit de notre semence que nous avons reçu. Mais pour ceux qui ont confiance aux hommes, il dit qu'ils ont cultivé le mal, ils vont moissonner l'iniquité, ils vont manger le fruit du mensonge. Parce que l'homme ment, mais Dieu ne ment pas. Il a dit, car tu as eu confiance dans ta voix, dans le nombre de tes vaillants hommes. À Dieu ne plaise. Ce ne sera pas votre cas. Amen. Votre lot, c'est le premier verset. Vous avez semé. Vous avez défriché un nouveau champ. Et dans ce nouveau champ, le Seigneur vous bénit avec une bonne moisson. Vous avez le fruit, le bon fruit. Et Dieu va protéger votre fruit si vous demeurez dans sa connexion. Amen. Amen. Dieu est bon. Vous n'allez pas perdre ça. Amen. Alléluia. Amen.
Parce qu'il nous donne la recette. Amen. Il nous donne la recette. Nous n'allons pas perdre cela. Au nom de Jésus. Et maintenant, nous allons prendre Romains au chapitre 6, verset 22. Romains 6, 22. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Alléluia. Vous avez quoi pour fruit? La sainteté. C'est la sainteté qui te maintient dans la présence de Dieu. Amen. Marchons dans la sanctification. Amen. Vous allez beau faire les dons, les offrandes, les holocaustes, les essais, comme le pasteur disait tout à l'heure. Si vous n'êtes pas dans la sanctification connectée à Dieu, vous faites tout ça pour vous-même. On ne peut pas corrompre Dieu. Amen. Voilà les recettes que Dieu nous donne aujourd'hui de comment conserver le fruit de notre semence que nous avons reçu ici le 31. Nous sommes venus dans sa présence, nous avons accompli sa parole et il a fait, il a aussi accompli sa parole parce que lui, il est fidèle dans ses promesses à nous maintenant de conserver le fruit de notre semence. Il dit, mais maintenant, étant affranchi, dit, je suis affranchi du péché. Je suis devenu esclave de Dieu. Et j'ai pour fruit la sainteté. Et pour fin la vie éternelle. Amen. Je déclare que ton fruit sera également éternel. Au nom de Jésus-Christ. La suite dit au 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Dis, je ne connaîtrai pas la mort. Amen. Amen. Je reçois la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. C'est ça notre lot. Nous avons semé selon la justice du Seigneur et nous récoltons le fruit, amen, de notre semence. Et nous allons le conserver en marchant dans la sainteté, dans la vérité. Amen. Oui, vous bénissez, ce n'est pas difficile pour que Dieu bénisse. La pluie de Dieu tombe sur les bons et sur les mauvais. Mais est-ce que le mauvais garde donc cette bénédiction? Il ne saura garder cette bénédiction parce qu'il est le fils du malin et ne sait pas rester dans la présence de Dieu. Mais je déclare que vous et moi, nous allons demeurer dans sa présence pour conserver notre fruit, le fruit de notre semence. Parce que le Père nous l'enseigne. Amen. C'est intéressant. Hein? Oui, parce que les gens, ils disent, la pluie de Dieu tombe. Parce que l'ennemi sait citer la parole de Dieu. Quand ça l'arrange, comme ça l'arrange dans sa manière là-bas. Mais la petite virgule qu'il oublie, c'est que Dieu donne, mais c'est lui-même qui le met, qui jette sa bénédiction hors de lui. Dieu donne, mais il ne peut pas conserver. Parce que la Bible dit que Dieu donnera, il arrachera à celui qui n'a pas, pour donner même à celui qui a. Ça veut dire que Dieu lui donne, mais sa bénédiction me revient. Parce que moi, je sais conserver. Tu sais conserver. Amen.
je récupère pour ceux qui marchent clopin-clopin. Je mets dans mon panier. C'est pas méchant, c'est Dieu qui me donne le droit. Alléluia. Si tu veux garder ta bénédiction, marche droitement avec Dieu. Et tu vas récupérer pour les autres. C'est Dieu qui va prendre, il va venir te donner. Il dit qu'il arrachera même pour celui qui n'a pas, pour venir donner à celui qui a. Ça, c'est notre lot en 2021. L'année de restauration et de restitution, là. Quand vous regardez l'histoire de Josaphat, mais il a vaincu ses ennemis et il a ramassé le butin. C'est ça que nous allons récupérer. Année de récupération, année de restauration, année de restitution. Oui, nous allons tout récupérer. Dans l'adage des Camerounais, on dit Erreur for Mbutuku, Nadami Fondos. Ça veut dire que si toi, tu fais l'erreur, moi, comme je suis vaillant, j'arrache pour toi. Donc, même dans le monde, les gens savent ça. Que si toi, tu fais l'erreur, l'autre va arracher. Mm-hmm. C'est pour dire que le diable n'a rien créé. Ce que vous voyez dans le monde, il puise ça dans le camp de Dieu. Comment les gens du monde savent que si toi, tu fais l'erreur, le vaillant va arracher? Parce que c'est écrit dans la Bible aussi. Nous, Satan vole ce qui est écrit dans la Bible. La Bible dit que Dieu dit qu'il arrachera à celui qui n'a pas pour venir ajouter à celui qui a. Vous voyez? Hein? Ça, c'est notre lot. C'est notre lot. Mais à condition qu'on reste au pied du maître. Parce qu'il est un Dieu juste. Alléluia. Allons dans le livre de Galates, chapitre 6, verset 7. Alléluia. Notre papa, il est bon. Des fois, quand je lis la Bible, je ris seul quand je vois certaines choses. Il dit que quelqu'un n'a même pas. Il arrache encore. Oui, oui, oui. C'est ça. Vous savez, on ne manipule pas Dieu. Non, non, tu ne peux pas le manipuler. Galates 6, verset 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Pardon. Au lieu de Galates, j'ai ouvert quelque part, voilà. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Amen. Amen. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair, la corruption. Vous voyez? Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Dis-je, moissonnerai la vie éternelle. Voilà mon partage tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parce que nous semons selon l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas aller récolter ce que les autres récoltent. Alléluia. Amen. C'est encourageant, n'est-ce pas? Mais je vous exhorte, demeurez au pied du maître. Car il y a un lion ici dehors qui rôde et qui cherche à dévorer la moisson, le fruit des autres. Vous savez pourquoi ce lion rôde autour de nous? Quand nous lisons la Bible, Satan occupait une place supérieure auprès de Dieu. Et il a perdu. Comprenez bien cette histoire. Il a perdu. Et il regrette. Pour se venger. Et vous voyez, Jésus, lui, il est venu. Il nous a rachetés dans notre faiblesse, dans notre péché, dans notre mauvaise marche. Il a payé le prix. Et il nous a fait asseoir avec nous, à côté de Dieu le Père, au ciel. Amen. Mais Satan, lui, ne pourra plus jamais. Vous pensez qu'il est content? Qu'est-ce qu'il fait?
comme il dit, comme il a perdu, il faut qu'il amène le maximum possible aussi à la perte. Soyons vigilants. Il n'est pas content de notre récolte. Il n'est pas content de notre position. Il aimerait aussi être comme nous. Il dit, pourquoi eux, pourquoi pas moi? Dans ce cas, je vais travailler jusqu'à ce qu'eux aussi perdent comme moi. Si un chrétien ne comprend pas ça, il va jouer le cache-cache avec lui et il va l'entraîner. Parce que lui, il a perdu. Il cherche à faire perdre les autres. Amen. Voilà pourquoi il rôde, cherchant qui dévorer. Parce que lui, il a été dévoré déjà. À cause de son orgueil, à cause de sa stupidité. Et maintenant, il cherche aussi à faire tomber les autres. Amen. Voilà pourquoi nous devons nous protéger avec le sang de Jésus. Et en demeurant au pied du maître. Amen. Marchant dans la sainteté, dans la sanctification, dans la vérité. Amen. Nous devons attacher la ceinture de vérité autour de nos rangs. Alléluia. Renforçons nos ceintures. Amen. Autour des rangs. Que l'année 2021 soit une année de vérité. D'abord pour nous-mêmes et aussi pour les autres. Ça veut dire que nous devons travailler sur notre ceinture. Chacun doit travailler sur sa ceinture de vérité pour demeurer et marcher dans la vérité. Amen. Et prêcher aussi la vérité aux autres. Et comment est-ce que nous allons prêcher la vérité aux autres? Si nous-mêmes, nous ne marchons pas dans la vérité. Mais si nous marchons aussi dans la vérité, disons aussi la vérité aux autres. Pourquoi est-ce que si nous voyons un membre de notre famille en train de s'enfoncer, mais nous, on connaît la vérité, et puis on se dit, ah, si je lui dis la vérité, est-ce qu'il va encore me saluer? Est-ce qu'elle va encore me parler? Est-ce que nous rendons vraiment des services aux membres de nos familles, à nos amis autour de nous, en faisant comme ça? Non. Nous voyons très bien que l'ennemi est en train de dévorer, mais nous, nous connaissons la vérité parce qu'on a peur de perdre la face, on se tait. Renforçons la ceinture de vérité autour de nous. Disons la vérité autour de nous. Sauvons les âmes, sauvons les vies. Amen. Et marchons nous-mêmes dans la vérité. Ne nous trompons plus. Alléluia. Conservons le fruit de notre semence qui est si précieux et merveilleux. Beaucoup ont passé le temps, je ne sais pas où, le 31, pendant que nous autres, nous étions en train de sceller des alliances ici avec Dieu. Nous ne pouvons pas être les mêmes. Non, 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 non. Ne vous trompez pas. Regardez, Dieu m'avait donné, quand ma feuille de route se trouve dans Jean 17. Je vais vous montrer quelque chose. Si le Seigneur Jésus qui a payé le prix pour nous tous, lui-même, il le dit. Attends, nous ne sommes pas plus bons que Dieu, que Jésus. Amen. Lui, avec tout ce qu'il a souffert à la croix, s'il le dit, ce n'est pas nous qui sommes plus bons que lui. Moi, je ne peux pas passer à la croix pour quelqu'un. Je ne peux pas mentir. Je ne suis pas Jésus. Amen. Oui, mais lui, il l'a fait. Alors, s'il l'a fait, et il dit ce que je vais lire là maintenant. Vous pensez qu'il est méchant? Quelqu'un qui a payé le prix pour l'humanité tout entière? Écoutez, Jean chapitre 17, je lis à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Il dit, « Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. » Il parle à Dieu le Père, hein? Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Verset 9. C'est pour eux que je prie. Amen. Est-ce que c'est écrit aussi comme ça dans vos Bibles? Amen. Jésus prie pour qui?
ceux qui ont reconnu qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est venu de Dieu. C'est pour eux qu'il prie. Écoutez bien. Les bénédictions de Dieu ne sont pas pour tout le monde. Je suis désolée de vous le dire. Sortons des illusions, sortons de la religion, sortons du mensonge et de la tromperie. Les bénédictions de Dieu ne sont pas faites pour tout le monde. Jésus ne prie pas pour tout le monde. Il est mort pour tout le monde. Même quand il allait en montagne, il avait les disciples qui choisissaient, qui l'amenaient. Pourquoi? Parce que ceux-là, ils écoutaient sa voix, ils lui étaient obéissants et ils marchaient avec eux. Les bénédictions de Dieu ne sont pas pour tout le monde. Jésus ne prie pas pour tout le monde. Amen. Amen. Mais je déclare, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Jésus prie pour toi et pour moi. Amen. Alléluia. Parce que nous avons renouvelé notre alliance ici avec lui. Amen. Et alléluia. L'année 2021 est pour nous. Parce que nous l'avons scellé ici. Nous avons renouvelé l'alliance le 31 avec lui. Alléluia. Nous avons scellé cette alliance-là. Le renouvellement de l'alliance. C'est pour eux que je prie. Donc, pour ceux qui gardent sa parole. Je ne prie pas pour le monde. Amen. Pourtant, il aime tout le monde. Mais c'est écrit comment? Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Jésus se glorifie en nous. Et voilà pourquoi notre semence porte du fruit. Et pour conserver ce fruit, il faut rester connecté à lui, attaché à lui. Et si on est attaché à lui, nous aurons tout ce dont nous avons besoin autour de nous. Nous aurons les cœurs des frères, des sœurs, des parents, des amis avec nous. Jésus, c'est la clé. Alléluia. Le verset 20, écoutez bien. Je peux commencer même au verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, il parle toujours, c'est Jésus qui parle à Dieu le Père. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Donc, il nous a envoyés aussi vers le monde, nous, ses disciples. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ils ne se sanctifient pas pour tout le monde, mais pour ceux-là qui ont cru qu'il est le Fils de Dieu et qui marchent en alliance avec lui. Donc, vous et moi, et tous ceux-là qui cherchent à lui plaire, qui marche dans la sanctification, dans la vérité, dans la crainte de son nom. Verset 20 maintenant. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croient, qui croiront en moi par leur parole. Amen. Aujourd'hui, quand un pasteur, un leader parle, on dit: ça, c'est pour toi. Mon Dieu me parle. Est-ce que ce n'est pas le Dieu qui a établi cet homme de Dieu, cette femme de Dieu devant toi? Puisqu'il te rappelle la parole de Dieu, il dit quoi ici? Non seulement il prie pour ses envoyés, ses disciples, mais aussi pour ceux qui écoutent sa parole au travers la bouche de ses disciples-là. Amen. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que ceux-ci soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés. Comme tu m'as aimé, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi,
afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Alléluia. Je m'arrête un peu là. Quand nous faisons des choses sur vous, considérez que c'est le Père qui le fait au travers de nos mains. Amen. Et recevez et scellez dans le sang de l'agneau et protégez ce que vous avez reçu. Voilà ça, il dit ici. Préservez le fruit de votre semence pour l'année 2021. Et comme notre pasteur nous a dit ici, en 2022, nous irons de mieux en mieux. Alléluia! N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas ça vaut la peine de le suivre? Amen! Voilà la recette de comment protéger le fruit de votre semence. Ne laissez pas l'ennemi venir voler. Restez au pied du maître. Restez dans la vérité. Écoutez-le. N'écoutez pas comme ça. Écoutez comme ça. Et quand vous écoutez comme ça, le reste s'aligne. Et pour écouter comme ça, c'est la parole de vérité. Amen. C'est la parole de vérité. Quand on vous prêche quelque chose, référez-vous à la parole de Dieu. Si c'est ce que la Bible dit, gloire à Dieu. Si c'est déguisé, vous savez d'où ça vient. Amen. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Que nos oreilles soient sanctifiées. Amen. Alléluia. Amen. Que nos oreilles soient sanctifiées. Amen. Afin que le fruit de notre semence demeure. Parce que nous avons semé sur un bon sol. Amen. Et je déclare que notre semence ira de gloire. Le fruit de notre semence ira de gloire en gloire. Amen. Alléluia. Amen. De gloire en gloire. Amen. Comme nous avons vu au sommet vent ici. Que le Seigneur nous donne le désir sincère de nos cœurs. Et pour qu'il en soit ainsi, il faut que nous demeurions au pied du maître. Amen. Pas au pied de Baal, mais au pied de Jésus-Christ. Parce qu'il y a beaucoup de maîtres, mais c'est Jésus-Christ qui est notre maître. Il nous a envoyé faire de toutes les nations les disciples. Et nous ne pouvons pas faire des disciples si nous-mêmes nous ne sommes pas disciplinés. N'est-ce pas? Vérité, non. Nous ne pouvons pas faire des disciples si nous-mêmes nous ne sommes pas déjà disciplinés. Donc soyons déjà disciplinés. Protégeons le fruit de notre semence. Et disciplinons aussi les autres autour de nous. Amen. Si nous sommes bénis, nous devons aussi bénir les autres. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Donc, si je suis disciple, je suis discipliné, je dois apprendre aussi aux autres à marcher dans la discipline. Amen. Et comme ça, mon fruit ira grandissant. Alléluia. De gloire en gloire. Amen. Voilà. N'est-ce pas merveilleux? Notre Dieu, il est bon. Alléluia. Maintenant, je vais clôturer. Et je vais clôturer avec un bon verset biblique qui va vous faire mettre du baume encore de plus en plus. Amen. 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 Nous allons dans Matthieu 13.
Voilà, Matthieu 13 à partir du verset 44. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Vous voyez, votre fruit, vous allez faire comment? Alléluia. Vous allez le cacher où? Dans le sang de Jésus. En restant où? Aux pieds de Jésus. Alléluia. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète le champ. Comment vous allez vendre tout ce que vous avez pour conserver le fruit? Le jeûne. Vous allez vous sacrifier. Quelqu'un qui vend tout, c'est un sacrifice. Vous allez vous sacrifier dans le jeûne, dans la marche de la sanctification, consécration, la vérité. C'est un prix à payer. Vous allez perdre vos habitudes. Quand quelqu'un vend tout là, il perd. Est-ce qu'il récupère encore? Non. Qu'est-ce que vous allez perdre? Les choses qui font du bien à l'âme. Et comment vous allez perdre ça? Dans le jeûne. Alléluia. Oui. Parce que vous avez trouvé quelque chose de précieux. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Alléluia. Vu que nous avons commencé à récolter, nous voyons déjà le fruit de notre semence. Est-ce que nous allons nous arrêter là? Il faut continuer pour emmagasiner. Amen. Avoir une grande moisson. Amen. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent. Et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon. Vous voyez? Ce qui est comment? Est-ce que tout ce qu'on reçoit comme prédication, prophétie, je ne sais pas quoi, est-ce que c'est bon? On doit faire le tri. Ce qui est aligné avec la parole de Dieu. C'est ça que nous devons retenir. Il y a un peu de tout dans le corps de Christ, n'est-ce pas? Si quelqu'un veut conserver le fruit de sa semence, il doit faire le tri. Amen. Nous ne devons pas regarder. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent. Et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est comment bon. À vous de faire le tri. Et ils jettent ce qui est mauvais. À vous de faire le tri. Il en sera de même à la fin du monde. Est-ce que nous ne sommes pas à la fin du monde? Avec tout ce qui se passe. Les anges viendront séparer les méchants avec les justes. Les méchants ne font pas le tri. Hein, mais les justes font le tri. Pour conserver le fruit de leur semence. Le fruit de leur récolte. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente. Où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Amen. Ce ne sera pas votre cas. Parce que vous et moi, nous allons faire le tri. Amen. Pour conserver ce qui est bon. Amen. Et notre fruit ira grandissant. Et nous aurons une grande moisson. Voilà l'année 2021. La vérité que tu as apprise, partage-la autour de toi. Et fais tes disciples. Pour faire des disciples, tu n'as pas besoin d'ouvrir une grande école. Tu prêches à côté de toi une âme. Cette âme va prêcher une autre âme. Un tue mille. Un tumulte,
2 sur 10 000. Amen. Mm-hmm. Tu connais la vérité, sème la vérité. Aide les autres autour de toi. Tu ne sais pas. Tu vas amener une âme au Seigneur, cette âme deviendra je ne sais pas si c'est un homme, un grand évangéliste, si c'est une femme, une grande évangéliste. Elle va drainer les foules. Et tout ça, ça rentre dans ton panier de bénédiction. Et ta couronne a des joyaux par milliers. Je ne peux pas dire par centaines, mais par milliers. Parce que ces gens-là, que cet évangéliste amène au Seigneur, ils vont aussi amener d'autres personnes. Et le royaume s'étend. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Donc, préparez-vous à faire le tri, à vendre tout ce que vous avez pour conserver le bon fruit. Notre jeune, bientôt de 21 jours, préparez-vous. Soyez fidèles comme d'habitude. Nous allons aussi vendre toutes les choses qui ne glorifient pas Dieu pour conserver notre fruit. Alléluia! Que le Seigneur vous bénisse. Père, nous te disons merci pour ce message parce que tu as tes principes. Et si nous marchons selon tes principes, Père, nous ne passerons pas à côté de la bénédiction. La vraie bénédiction vient de toi et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Je déclare que tout ce que nous avons reçu ici et scellé ici le 31, Père éternel, portera encore du fruit et en abondance. Et notre fruit va demeurer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous remettons entre tes mains et nous te remettons la suite de notre année 2021. Nous prions que tu éloignes toi-même de nous les choses qui nous éloignent de toi au nom de Jésus. Rapproche-nous des choses qui vont nous rapprocher de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit ton Saint-Nom, Père. C'est au nom de ton Fils Seigneur Jésus que nous avons prié. Et nous scellons, Père, tous ces principes, toutes ces recettes que tu nous as données ce matin dans nos vies, dans nos destinées. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Soyez bénis.